Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est bien content de se retrouver dans cette salle qui redevient ouverte au public, même si on continue de faire les conseils municipaux à l'espace des arts pour des raisons sanitaires. Mais enfin, c'est quand même un plaisir, même si on aime bien, si on aime bien se protéger, ça fait quand même du bien de se retrouver ensemble et puis d'avoir un peu plus de monde qui vient assister à nos conseils municipaux. Et on voit que la vie reprend un petit peu de partout et on espère que ça va continuer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Voilà, donc on va pouvoir commencer cette séance de conseil municipal. Je vous propose de commencer par l'appel, et l'appel, c'est donc Émilie Roy qui va le faire. Émilie. Alors, Hervé Stassinos, Valérie Rialan, Jean-François Plane, Cécile Gomez, Jean-Michel Perratou, Bérénice Bonal, Jean-Claude Véga, Agnès Biaziuto, Pascal Campins, Magali Vincent, Christian Garnier, Martine Clopin, Jacques Paganelli, Patrick Roisse, Serge Venet, Chantal Jover, Isabelle Roger, Jean-Marc Illy, Stéphanie Assionne, Éric Galliano, Graziella Piras, Thomas Michel, Cédric Giner, Marine Désidéry, Émilie Roy, présente, Denis Tendil, Armand Cabrera, Martine Cabot, Bernard Pezri, Éric Joffre, Marina Brondino, Valérie Pozzo di Borgo, Viviane Tiard. Et j'ai reçu le pouvoir de Monsieur Éric Galliano, que je salue, je crois qu'il est avec nous sur Facebook. Bonjour Éric. Pour Agnès Biaziuto, le pouvoir de Serge Vionnet pour Jean-Michel Perratou et le pouvoir de Marine Désidéry pour moi-même, Monsieur le maire. Voilà. Donc, on a largement le quorum. La séance de conseil municipal peut débuter. Donc, on va commencer, une fois que l'appel est fait, on va commencer par le compte-rendu du dernier, le PV du dernier conseil municipal. On va passer à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, on va refaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, la délibération numéro 1, elle consiste bien sûr, suite à la démission de Monsieur Lionel Riquelme, elle consiste à installer Madame Viviane Tiard au sein du conseil municipal. C'est qu'automatiquement, quand un élu du conseil municipal démissionne, automatiquement, celui qui vient derrière prend sa place. C'est le cas de Madame Tiard, à qui on souhaite bien sûr, l'ensemble du conseil municipal vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite de faire un beau mandat au sein de cette assemblée. Voilà, écoutez, je pense que vous connaissez un petit peu le fonctionnement du conseil municipal. L'esprit dans lequel on travaille, c'est bien sûr un esprit de collaboration, de concertation avec l'ensemble des élus. Vous faites partie de l'opposition, mais chacun a sa place au sein du conseil municipal. On sera amené d'ailleurs à en parler, puisqu'il y a un certain nombre de commissions dans lesquelles vous allez siéger. On vous a invité aux commissions qui sont tenues la semaine dernière, afin de préparer ce conseil. Donc, on est vraiment dans la concertation. On est à votre écoute. Si vous avez besoin d'éléments, on sera toujours là pour vous répondre, bien entendu. Donc, au nom de l'ensemble du conseil municipal, on vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, peut-être? Un micro. Je pense que le micro marche sur la gauche. Merci, Monsieur le maire. Ah, c'est tout, d'accord. Vous ne voulez pas prendre la parole, d'accord. Parfait. Donc, il s'agit d'une information, donc il n'y a pas de vote. Je vous propose de passer à la délibération numéro 2. Ça concerne la composition de la commission consultative des services publics locaux, la fameuse CCSPL. Donc, c'est une commission qui est obligatoire de par la loi. Donc, là encore, en remplacement de Monsieur Riquelme, Madame Tiard va siéger désormais dans la CCSPL. Donc, les différentes personnes qui composent cette commission sont Valérie Rialan, Jean-François Plane, Jean-Michel Perratou, Pascal Campins, Patrick Roisse, Bernard Pezeri, Valérie Pozzoli-Borgo et donc Viviane Thiers à compter de ce jour. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un main levée, à moins que quelqu'un y soit opposé. Ça va être plus simple. Vous êtes tous d'accord pour faire un vote à main levée, puisque c'est une délibération qui se vote. D'accord, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour la constitution de cette commission? Unanimité. Je vous remercie. Alors, les questions numéro 3
la question numéro 3, c'est la composition des commissions communales. Pour le coup, qui ne sont pas du tout obligatoires, mais que nous avons choisi d'installer de manière à pouvoir dialoguer justement avec l'opposition, avec les élus de l'opposition, pouvoir exposer avec eux les orientations de la commune, de discuter notamment et pas seulement des dossiers qui sont présentés en conseil municipal, ce qui était le cas des différentes commissions qui sont tenues la semaine dernière au nombre de 3. Donc, même si la représentativité fait que Viviane Thiard n'aurait pas de place dans les commissions, on avait donné la possibilité à M. Riquem de s'exprimer au sein des commissions. On fait bien entendu de même avec Mme Thiard. Donc, ce qui nous amène en fait à modifier la composition des 3 commissions qui sont 1, commission aménagement et développement durable, commission 2, finances et administration générale, commission 3, éducation, enfance et famille. Avec ça, on couvre à peu près une grosse partie des activités communales, ce qui permet d'échanger en toute transparence, en toute liberté sur les différents sujets qui sont des sujets d'importance pour la commune. Alors, ce que là aussi, je vous proposerai un vote à main levée et séparément pour chacune des commissions. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Pas d'intervention. Donc, je vous propose de commencer le vote pour la première commission, qui est la commission aménagement et développement durable, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Commission finances et administration générale, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Commission éducation, enfance et famille, qui est contre ? Qui s'abstient et qui est pour ? Je vous remercie pour vos votes à l'unanimité. Alors, la délibération numéro 4 consiste à vous reparler de la clète une deuxième fois. Vous savez que la CLECT, c'est quelque chose qui a été instauré dans le cadre du passage en métropole. Il y a un certain nombre de charges et de produits qui ont été transférés à la métropole. Ça a donné lieu à des échanges sur les équilibres financiers. L'idée, ça a été de transférer les compétences et en même temps qu'on transférait les compétences, de transférer les charges et les produits qui étaient associés afin que le passage en métropole soit totalement neutre à la fois pour les communes et pour les métropoles. Dès le démarrage du passage en métropole, il a été convenu entre les élus de la mairie qui compose des différentes mairies qui composent la métropole d'inclure dans la CLECT une clause de revoyure qui permettrait à la fois aux communes ou à les métropoles de revenir sur ce qui avait été décidé en première instance sur la CLECT de manière à ce que le passage se fasse en parfaite neutralité. L'idée, ça a été de dire, si jamais la métropole est lésée sur un transfert ou si une mairie est lésée sur un transfert, c'est de rééquilibrer un an ou deux ans après, de discuter sur les vraies charges, sur les vrais produits, parce que c'était simplement des anticipations sur ces charges et sur ces produits. C'est le travail qui a été fait par les services de la métropole et par les services des différentes communes. Donc, il y a une clause de revoyure qui a été mise en place, qui a été actée par l'ensemble des élus en métropole. Et chaque commune doit maintenant valider cette CLECT au sein de son assemblée. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de valider cette nouvelle CLECT avec la clause de revoyure qui correspond au passage en métropole. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette CLECT ? Pas de questions ? Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 5 concerne le recrutement de vacataires, la mise en place d'un cadre d'intervention des vacations pour la tenue des bureaux de vote lors des élections régionales et départementales. C'est Magali Vincent qui va nous parler de ces délibérations. Juste en préambule, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a des élections qui vont se tenir le 20 et le 27 juin, que bien sûr, on peut discuter autant qu'on veut aujourd'hui des affaires concernant le conseil municipal, mais que si on peut éviter de faire une tribune, soit pour les élections régionales, soit pour les élections départementales aujourd'hui, c'est parfait. Mais tous les sujets peuvent être abordés, aucun sujet n'est tabou. Juste si on peut éviter de faire référence aux élections départementales, régionales, et faire une tribune pour les uns ou pour les autres, ça serait parfait, et je vous en remercie à l'avance. Ensuite, j'en profite pour demander à... Vous savez, vous avez lu dans la presse, il y a eu plusieurs mairies qui s'en sont fait l'écho, on a beaucoup de mal à recruter du personnel et notamment des assesseurs pour les élections qui arrivent. C'est dû à plusieurs choses. D'abord, la période n'est pas forcément facile. Le 20 juin, c'est la fête des pères. Le 27 juin, il fait beau. Le 20 juin, il fera beau aussi. Donc, on a un petit peu de mal à recruter. On n'est pas les seuls. C'est vrai dans beaucoup de communes.
Donc, il nous faut des assesseurs. Donc, je m'adresse aux élus de l'opposition. Vous êtes 8. Ce qu'on souhaiterait, bien sûr, vous savez qu'on a un devoir en tant qu'élu. Le devoir des élus, c'est d'assurer la tenue des bureaux de vote. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que les élus de l'opposition soient présents à nos côtés en tant qu'assesseurs aux prochaines élections qui vont se tenir le 20 juin et le 27 juin. Ce que je propose, c'est de nous confirmer votre présence à l'issue du conseil municipal. Donc, vous venez nous voir, peut-être simplement M. Pézri et Mme Thiard, venez nous voir pour nous confirmer que vous serez bien là et que vous pourrez tenir des bureaux en tant qu'assesseurs. C'est un devoir qu'on a tous, hein, que ce soit les élus de la majorité ou de l'opposition. Et nous comptons, bien sûr, sur votre présence pour tenir les bureaux de vote à nos côtés. Magali Vincent. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. C'est la délibération sur le recrutement de vacataires, mise en place d'un cadre d'intervention des vacations pour la tenue de bureaux de vote lors des élections régionales et départementales. Donc, les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les 20 et 27 juin prochains, imposant le passage de 10 bureaux de vote à 20. Dans ce cadre, le recours à des vacataires dans la limite de 5 pourrait être nécessaire. La vacation sera rémunérée sur la base d'un taux horaire brut de 27,50 euros. Je tiens à préciser que ce n'est pas une charge pour la commune, car il y a un remboursement de l'État dans la mesure où les élections sont organisées pour le compte de l'État. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de vacations pour l'intervention, si nécessaire, de 5 personnes au maximum, afin de pouvoir doubler les bureaux de vote par des électeurs pradétants et permettre la réalisation des élections régionales et départementales. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte permettant la mise en œuvre de cette mesure. Merci Magali. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la fin du conseil pour la partie assesseur. Et en attendant, je vous propose de voter. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 6, ça sera Isabelle Roger. Ça concerne le recrutement d'un vacataire pour la mise en place d'un cadre d'intervention d'un diététicien. Dans le cadre du dispositif de recrutement de vacataires... Le micro ne marche pas, je crois. Si ? On m'entend, là, oui. Dans le cadre du dispositif de recrutement de vacataires, il est proposé le recours à la vacation d'un diététicien pour le service de la restauration scolaire. En effet, le cadre de gestion, les nouvelles dispositions législatives réglementaires, notamment la loi Egalim pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous, imposent de nouveaux objectifs nutritionnels dans la restauration scolaire. Dans ce cadre, le recours à un vacataire est souhaité pour permettre l'accompagnement du service de la restauration scolaire dans l'analyse des offres des candidats pour l'attribution du marché public de denrées alimentaires et afin de permettre de renouveler certains lots qui nécessiteraient une vigilance particulière. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de vacations supplémentaires pour l'analyse des offres réceptionnées. La vacation d'un diététicien pour l'accompagnement dans la rédaction du cahier des charges pour les lots irréguliers ou infructueux et de permettre à Monsieur le maire de signer tous les actes permettant de mettre en œuvre cette mesure. La vacation sera rémunérée sur la base d'un taux horaire de 56 euros bruts et pour 30 heures maximum. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, on revient sur le fameux conseiller numérique pour lequel on a eu un accord de l'État en termes de financement. Bérénice Bonal. Bonjour à tous et toutes. Lors du précédent conseil municipal, nous avons délibéré sur la candidature pour le recrutement d'un conseiller numérique dans le cadre d'un projet inclusion numérique du plan de relance. Cette candidature a été retenue par l'État. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent de conseiller numérique relevant de la catégorie C à temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures dans les conditions prévues à l'article 3.1.2 de la loi 83-53 du 26 janvier 1984. Dans le cas présent, le contrat sera d'une durée de 2 ans
conformément à l'appel à projet, a autorisé M. le maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette mesure. La création sera effective à compter du 1er septembre 2021. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un sujet qui a déjà été abordé à de nombreuses reprises. Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Ah, Monsieur Pézry, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Oui, juste une question. Donc, vous dites que le vacataire va être recruté au mois de septembre. Donc, si j'ai bien compris les textes que j'ai pu lire à droite à gauche sur Internet, c'est donc une personne qui est déjà formée à ce poste-là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le recrutement a déjà eu lieu. Le recrutement ne s'est pas fait directement par le site de la mairie du Pradé, mais la procédure a été faite par l'État. D'accord. Donc, ils ont déjà soumissionné et on a pioché dans les personnes qu'on candidaté. Et ensuite, elle aura en fonction de son niveau, elle aura une formation à partir du 1er septembre. Donc, c'est l'État qui forme cette personne. D'accord. Donc, ça correspond à ce que j'avais vu sur Internet. Par contre, donc, est-ce que c'est forcément un pradétant? Puisque vous avez pioché dans la liste, est-ce que des pradétants ont soumissionné? Voilà. On a choisi en fonction des profils. Et de toute façon, ça sera un candidat de la métropole. D'accord. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 8, ça serait Isabelle Roger. Ça concerne la modification du règlement intérieur des commissions relatives à la commande publique. Le Code général des collectivités territoriales impose des commissions d'appel d'offres pour les marchés publics ainsi que pour les délégations de services publics. Ils prévoient leur mode de recrutement, leur composition, la désignation des membres, mais n'en prévoient pas les règles de fonctionnement. Un règlement intérieur a été voté lors d'un précédent conseil municipal. La présente délibération propose d'enrichir ce règlement intérieur sur les points suivants. La suppléance du maire à la présidence des commissions en cas d'absence. L'organisation des commissions à distance dans les conditions définies par l'ordonnance 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, les règles de confidentialité et enfin la prévention des conflits d'intérêts. Il est donc proposé au Conseil municipal de voter cette modification du règlement intérieur. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci Isabelle. La délibération numéro 9 concerne une convention de recherche et développement partagée entre la ville du Pradé et le BRGM relative à la détection de présence d'évaporite dans la calanque du Pin de Galles. Valérie Rialan. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc si vous le voulez bien, je vais aborder les deux prochaines questions en même temps puisque la première c'est la convention et la deuxième c'est la demande de subvention qui va avec. Alors, donc, je vais faire un petit peu d'historique. La calanque du Pin de Galles, vous le savez, a connu en février et décembre 2014 des glissements de terrain successifs qui ont engendré des problématiques de sécurité des personnes et des biens sur ces parcelles privées regroupant la SCI, la calanque du Pin de Galles et SCI, la Pinède. Ce secteur étant sujet de manière récurrente à ce type d'événement, la commune a fait le choix dès 2015 et en partenariat avec les services de l'État de prendre à sa charge la réalisation d'une étude géotechnique et hydrogéologique visant à déterminer précisément l'aléa glissement de terrain auquel est soumis la calanque du Pin de Galles dans son entier et à définir des aménagements nécessaires afin de faire cesser le risque et de mettre en sécurité les habitants. Cette expertise a été restituée en septembre 2019 à la commune qui l'a communiquée sans délai au service de l'État. Suite à cela, afin que l'État puisse se positionner sur l'opportunité, d'une part, de modifier le plan d'exposition au risque et, d'autre part, de faire évoluer les règles relatives aux autorisations d'urbanisme, il demande en octobre 2020 à la commune de réaliser une étude complémentaire visant à définir l'aléa d'effondrement sur un secteur spécifique.
Il s'agit donc de réaliser une étude de détermination de la présence d'évaporites dans le sous-sol de la Calanque. Afin de répondre aux exigences de l'État, la commune s'est tournée vers le Bureau de recherche géologique et minière, dit BRGM. En effet, le BRGM constitue un pôle de référence national dans le domaine des géosciences et exerce ses fonctions de service géologique national. Aussi, la commune du Pradet souhaite s'appuyer sur l'expertise du BRGM pour réaliser l'étude complémentaire demandée par les services de l'État via l'établissement d'une convention. Le projet de convention donc, qui vous a été communiqué en annexe a pour objet la réalisation d'une étude de détermination de la présence d'évaporites dans le sous-sol de la Calanque. Le coût total de l'étude s'élève à 113 000 euros. Et dans la délibération suivante, nous vous présentons les demandes de subvention donc, qui vont avec. Le BRGM lui-même s'engage à participer au financement du programme à hauteur de 20% du montant total hors taxe, soit 22 600 euros, au titre de la subvention pour charges de service public qui lui est attribuée par le ministère chargé de la recherche. Il a à noter aussi que la commune va solliciter une aide financière de l'État à hauteur de 50% du montant total hors taxe de l'étude, au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, soit 56 500 euros. Donc la convention entrera en vigueur à compter de la date de la réunion de lancement et expirera lors de la réception du dernier paiement. Donc il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte permettant la mise en œuvre de cette convention et puis d'autoriser Monsieur le maire donc, à solliciter l'État pour l'attribution de la subvention dans la délibération numéro 10. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'une ou l'autre des délibérations ? Je propose de passer toutes les questions en même temps et on passera au vote successivement pour la 9 et pour la 10. Monsieur Pézri. Oui, merci. Donc, je vais refaire un petit peu d'historique puisque Mme Rialan a évoqué le mois de février-décembre 2014. Donc ça fait quand même 7 ans bientôt. Pour février, ça fait plus de 7 ans, et pour décembre, ça fait bientôt 7 ans que cet incident est arrivé. Je ne crois pas me tromper en affirmant qu'il y a des problématiques juridiques en cours, puisque vous avez été aussi bien par l'ETA, par le TGI, mis en instance de prendre en compte différents problèmes, et en particulier les deux études qui ont été faites, si je ne me trompe pas, vous me contredisez si je dis des bêtises. Donc si j'ai bien compris, le cheminement, il a été fait des études aussi bien géologiques que géotechniques, qui ont abouti à un même résultat. Il faut faire des travaux. J'ai un chiffre qui dépasse les 2 millions d'euros en tête, mais ça sera à vous de me le confirmer. Et ces 2 millions d'euros pourraient préserver l'intérêt des cabaniers du Pin de Galles, qui est quand même un des joyaux de la commune. Aujourd'hui, vous lancez cette convention de recherche. Alors, que va-t-elle apporter de plus que les autres études qui vous ont montré qu'on pouvait faire des travaux ? Si ce n'est à mon avis, d'arriver à déterminer, comme vous le dites dans votre titre, la présence d'évaporites qui pourrait demain entraîner ce que vous laissez sous-entendre dans votre délibération, une révision du PER, et donc avoir un zonage rouge-bleu totalement différent et qui ferait en sorte que les travaux nécessaires aujourd'hui pour consolider et pour réhabiliter certains cabanons ne seraient plus possibles parce que le zonage aurait changé. Donc je trouve dommageable que la municipalité n'ait pas pris à bras-le-corps ce dossier dès le début d'une manière totalement différente. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas fait dans le sens qui aurait été peut-être intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire de mettre autour de la table tous les participants et de proposer aux propriétaires des calanques du Pin de Galles et éventuellement la Pinette, parce que peut-être que demain ils seront concernés par des éboulements, d'avoir une participation financière qui viendrait en complément de celle de la municipalité et d'énormes subventions qu'on aurait pu avoir, parce que dans ce cas de figure, vous faites appel au fonds Barnier, mais vous avez aussi les fonds européens, vous avez aussi TPM, puisqu'il y a quand même une plage publique en dessous, vous avez l'assainissement en dessous, vous avez des voies qui sont publiques. Donc voilà. Moi, je pense que ce dossier n'a pas été pris dans le bon sens
Et il aurait été judicieux que la force publique, qui s'appelle la municipalité, même si on peut conclure qu'elle n'est pas responsable à 100% du désordre, puisque c'est notre fameuse nappe phréatique qui crée des désordres, mais je pense qu'en tant que force publique, elle aurait pu prendre le dossier différemment, amener tout le monde autour d'une table, proposer de financer et de recouvrir auprès de chaque partenaire potentiel, dont les cabaniers, des finances qui auraient fait que la somme engagée par la commune n'aurait pas été si importante que ça et aurait pu permettre de trouver une solution depuis beaucoup plus longtemps. Merci. Je reprends votre expression. Nous avons pris le problème à bras le corps. Non. Dès le début, il y a eu une première étude pour mettre en sécurité les personnes, parce que c'est ça notre première préoccupation, mettre en sécurité les personnes. Monsieur, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vous interromps deux secondes. Non, je voudrais finir. Je vous ai laissé aller jusqu'au bout, donc je vais jusqu'au bout. Vous pourrez intervenir, tout bien évidemment, après. Cette étude nous a permis de... aboutit à l'émission d'arrêtés, donc des arrêtés d'interdiction d'habiter pour mettre en sécurité les personnes. Ensuite, vous avez parlé de concertation. C'est compliqué d'aller dans la concertation quand nous sommes poursuivis au tribunal. Donc, la concertation, nous avons essayé de la mener, mais ensuite, on a été poursuivis au tribunal. Pour le moment, il n'y a aucun jugement, ni selon les experts, ni selon les juges, qui se sont prononcés pour un retour possible ou pour une suite possible donnée au dossier tant que les études ne sont pas terminées. Et ça, je voudrais vraiment le souligner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des décisions sur rien, finalement. Ensuite, je vous ai dit depuis le début que notre priorité, c'était de mettre en sécurité les personnes. Ceci dit, c'est compliqué parce que les obligations ne sont pas respectées. On ne peut pas mettre 24 heures sur 24 des personnes devant chaque habitation. Et enfin, pour finir, et comme j'ai dit au départ, on assume nos responsabilités sur ce dossier. On a donné suite à toutes les demandes de médiation. Et c'est les parties adverses qui, dans certains cas, se sont retirées des médiations. On est toujours, au niveau juridique, l'affaire se poursuit. Alors, pour finir... Et là, je voudrais bien insister. Moi, je comprends le désarroi des personnes. D'ailleurs, quand il pleut, à chaque fois, on se dit avec ma directrice des services, mon Dieu, pourvu qu'il n'arrive pas quelque chose. Donc, je comprends le désarroi. Mais notre responsabilité, c'est vraiment de protéger la population. Et parfois, je suis désolée, malgré eux-mêmes. Parce que s'il arrive quelque chose, ce sera nous tous qui serons responsables. Merci. Oui, allez-y, M. Pézeri. Oui, donc, je ne pense pas que les cabaniers soient des personnes irresponsables. Je pense qu'ils sont adultes au même titre que nous. Donc, je pense que les risques, ils les mesurent et ils n'iront pas au-delà d'une limite qui est raisonnable. Sauf de ma part, l'étude que vous avez évoquée, c'est une étude qui a coûté à peu près 200 et quelques mille euros. Donc, pour moi, les informations que je peux avoir, c'est suite à une injonction du tribunal que vous avez été tenu de faire ces travaux. Et non pas autre chose. Donc voilà, moi je vous dis, le dossier pour moi n'a pas été pris dans le bon sens. Que vous ayez fait des choses, bon, vous avez fait des études. Moi je comprends qu'aujourd'hui vous dites que les études ne sont pas finies, ça veut dire que les deux études qui ont été fournies par les experts, aussi bien géologues que géotechniciens, ne vous suffisent pas, ou alors vous ne les prenez pas en compte, vous faites encore d'autres choses. Voilà, donc moi je veux bien, mais étude par étude par étude, moi je vois une fin qui est tout à fait naturelle, c'est que le PER sera révisé. Et que demain, le zonage changera et que beaucoup de choses seront interdites, alors qu'aujourd'hui, par des moyens financiers qui sont certes conséquents, mais qui peuvent être partagés, pourrait réhabiliter cette calanque. Merci. Je vais répondre sur les études quand même, parce que vous faites une erreur quand vous dites que les études suffisaient. La première étude ne portait que sur la SCI des calanques. On ne peut pas séparer ce dossier en deux parties. Il faut bien évidemment... En termes géologiques, et excusez-moi, nous ne sommes pas habilités à comprendre les glissements de terrain, personne ici, à moins d'avoir fait des études géologiques poussées. Donc,
On peut comprendre, c'est pas prendre les personnes pour ce qu'ils ne sont pas, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Donc l'idée, c'est de dire que personne, c'est un dossier suffisamment complexe en termes géologiques pour qu'on doive s'appuyer sur des experts quand même et sur des études correctement menées jusqu'au bout. Donc la première étude ne prenait en compte qu'une partie de la calanque. La deuxième étude, la première étude avait été faite dans l'urgence, excusez-moi, et la deuxième étude ne prenait en compte qu'une partie de la calanque. Donc nous avons voulu aborder le problème d'une façon globale et rigoureuse afin d'avoir des réponses rigoureuses. De toute façon, c'est l'État qui nous le demande. Donc on ne peut pas prendre des décisions sans s'appuyer sur l'État, surtout ce type de décision. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions ? Madame Thiard, allez-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voudrais juste comprendre, puisqu'on est dans l'intérêt général, vous avez dit, Madame Rialon... C'est bon, là ? Il faut approcher. Merci. Madame Rialon, vous avez précisé à l'instant... qu'il y avait eu des médiations et que rien n'avait été abouti. Pour quelles raisons ? Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça marche. Donc, effectivement, le sujet des calanques, hein, des calanques et de la pinède sont des sujets qui reviennent en permanence. Moi, je me souviens de novembre 2014, qu'on arrivait sur place, il y avait un camion avec des chiens pour renifler d'éventuelles victimes. C'était une de mes premières expériences en tant que maire du Pradet, et une des difficiles. Je pense que M. Perry a dû connaître ça aussi quand il était maire et quand il était élu. Ce n'est pas des moments faciles parce qu'on a avant tout comme souci de sécuriser la population. C'est ce qu'on a fait. On a pris un arrêté immédiat pour sécuriser les personnes. Alors, dans un premier temps, je vous rappelle, tout le monde a été évacué. À l'époque, tout le monde trouvait que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc, on a pris nos responsabilités, on a évacué l'ensemble de la calanque. D'ailleurs, le préfet avait pris l'initiative de le faire sans me poser la question, et il a bien fait de le faire. On passait quelques jours, et derrière, on a lancé dans l'urgence une étude géologique qui a permis de déterminer une zone noire, une zone rouge, une zone bleue. Donc, ça a permis de délimiter un peu mieux les risques. Ça restait très empirique. Une zone noire complètement interdite, une zone rouge interdite également, une zone bleue où on peut habiter, et puis le reste où c'est totalement habitable. Donc il y a des zones de risque qui ont été établies. C'est bien sûr le maire qui a pris un arrêté, et je l'assume totalement. C'est quelque chose que je n'ai pas fait tout seul, c'est quelque chose que j'ai fait avec les services de l'État et quelque chose qu'on a fait avec les géologues. Suite à cette étude, alors effectivement, il y a un certain nombre de on a rencontré les gens qui habitent la SCI, les gens de la Pinède, des Calanques. On a aussi rencontré les différentes personnes qui sont directement propriétaires de leur terrain, donc je comprends leur désarroi, bien entendu. Nous, on a toujours dialogué, on a toujours été dans le dialogue. Après, bon, on n'est pas d'accord sur qui doit prendre en charge les travaux, quel montant doit être pris, par quelle partie. Bon, à partir du moment où on n'est pas d'accord, les différents habitants, et c'est leur droit, bien sûr, ont décidé de lancer les procédures contre la commune, on est encore dedans. Que ce soit cette procédure, la médiation, bien sûr, on ne va pas commenter. On a une procédure juridique, donc pour ne pas affaiblir la défense de la commune, chacun peut comprendre qu'on ne va pas être là pour alimenter le débat sur les procédures, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été dit. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi, en fait ? C'est de voir qu'est-ce qui peut être encore habitable dans la calanque. C'est la question aujourd'hui. Parce qu'effectivement, M. Pézeri l'a souligné, ces études complémentaires, elles servent à quoi ? Elles servent à réviser le PER et à déterminer quel doit être le PER spécifique sur cette zone. Et en général, quand on lance des études de cette nature, sur une zone de cette nature, il y a peu de chances qu'on réduise le périmètre, il y a plutôt des chances pour qu'on l'agrandisse. Mais ça sera là au service de l'État de lancer sa révision du PER, qui va s'appuyer, et c'est la demande de l'État, on ne s'est pas amusé à faire une étude par nous-mêmes, c'est à la demande de l'État qu'on a lancé une procédure, qu'on a lancé plutôt des études complémentaires, pour que l'État puisse, dans la foulée, définir quel est le nouveau PER de la zone de la Calanque et de la Pinède. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je vous propose de passer au vote sur les questions 9 et 10. Donc, concernant la question... Monsieur le maire, allez-y, Madame Thiard. Je n'ai pas fini. Merci beaucoup. Je voudrais justement revenir sur la question 9. Il y a une convention... pour la question 9. Il y a une convention qui est proposée. On voudrait juste comprendre pourquoi
la BRGH met un autofinancement dans cette convention. C'est le BRGM, en fait, hein ? Oui. Parce que ces études vont leur servir aussi en termes de recherche et vont abonder, on va dire, dans leur fonds de recherche. Et donc, ils vont l'utiliser comme données, parce que c'est des données qui peuvent être utilisées en termes universitaires également. Voilà. Merci. Pas d'autres questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie, c'était pour la délibération numéro 9. Pour la délibération 10, c'est pareil, on va passer au vote directement. Je m'abstiens. Ah non, on va refaire le vote, donc. Une abstention et le reste pour. Délibération numéro 10, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. La délibération numéro 11 concerne la cession d'une parcelle. Valérie Rialan. Donc, il s'agit de la parcelle du lieu-dit Le Plan. Il s'agit en fait d'une parcelle qui constitue le chemin d'accès à l'espace nature départemental du Plan depuis l'avenue Le Léap. Et les travaux d'aménagement seront réalisés par le département. Donc, il s'agit en fait de l'accès du Pradet à l'espace nature du Plan. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Monsieur Pézuri. Oui, Madame Rialan a évoqué les travaux d'aménagement. Est-ce que vous avez la teneur de ces travaux ? Puisque, enfin, personnellement, je considère, utilisant cette voirie très fréquemment, que cette sortie est très dangereuse. Donc il y a forcément des aménagements, au moins au niveau de la sécurité, mais s'il y a d'autres aménagements, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Il s'agit juste d'un accès, effectivement. La sécurité, je pense que ça, c'est en train d'être étudié, mais bon, rien de particulier, c'est juste un chemin, en fait. C'est le chemin d'accès. Bon, donc, apparemment, pas trop d'aménagement sur le chemin. Donc, moi, je réitère ma demande, qui était indirecte, c'est de prévoir des aménagements en sortie, parce que les gens ont l'habitude de rouler tranquillement dans le parc nature, et quand ils arrivent là, ils ont l'impression de continuer le parc nature pour aller vers la piste, et c'est très dangereux. Oui, je vous ai répondu, je vous ai dit que c'était à l'étude, en fait, dès le début. À l'étude. Effectivement, c'est un sujet qui a déjà été évoqué avec le département, on le sait. Alors, d'abord, je suis très content, je pense qu'on est tous très très contents d'avoir un beau plan nature. Je l'appelle plutôt le plan nature du Pradet, moi, mais bon, chacun l'appelle comme il veut. On a la chance d'avoir un parc nature qui est magnifique. D'ailleurs, il y a une course qui va se tenir, j'espère qu'elle est maintenue, le 27 juin. C'est une course qui est organisée par une association de courses du Pradet, Cap-Garonne, dans ce magnifique plan nature. Donc on a la chance d'avoir ce plan nature, mais c'est vrai qu'il faut à la fois sécuriser les accès. On va se poser aussi la question du parking, parce qu'il faut qu'il y ait des accès assez faciles du plan nature, même si on a la chance au Pradet d'avoir ce parc nature qui est directement sur la piste cyclable. Mais c'est vrai que ce sujet de sécurisation, c'est un sujet qu'a déjà évoqué, mais comme dans tous ces sujets là il contient une partie d'acquisition de foncier. C'est pas évident, parce que les propriétaires sont pas toujours enclins à nous céder une partie de leur foncier. Vous l'avez vu, quand on a finalisé la piste cyclable qui va vers la gare, on a mis un petit peu de temps, on a mis près de 4 ans à faire l'acquisition de foncier, on y est arrivé. Et là, c'est pareil, on va arriver à faire cette acquisition de foncier qui va nous permettre de sécuriser la sortie. Là, soit on prend ça comme l'entrée du parc nature, soit comme la sortie du parc nature. Mais en tout cas, effectivement, il y a une nécessité de sécuriser cette sortie. Les services du département en sont bien conscients, Madame Rialan en est bien consciente, et on travaille sur ce sujet, comme beaucoup d'autres, en termes de sécurité. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Madame Cabot, je vous en prie. Oui. Monsieur le maire, Madame Rialan, bonjour à tous. Juste une question. La parcelle qui se trouve au-dessus, donc la parcelle A245 et la deuxième, A247, elles appartiennent au département ou à la commune ? Ou à des particuliers ? Elles appartiennent toujours à la commune, mais effectivement, il y a un projet... un peu d'agrandir le parc nature éventuellement et de les intégrer. De toute façon, au titre du PLU, elles sont référencées parc nature, effectivement. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas fait. C'est vrai que le parc nature a déjà coûté beaucoup d'argent et donc on fait les choses par étapes. Merci. Merci. On va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La question numéro 12, elle concerne la cession d'une parcelle. On va procéder à un appel à projet. Je vous rappelle le contexte. C'est une parcelle
qui a été achetée à l'époque où il y a eu le projet derrière Corteloni. L'idée, c'était en fait d'en profiter pour améliorer à la fois la sécurité de ce carrefour, d'avoir une route qui partait facilement sur la Fouxe. On a fait ça au travers d'un PUP, ce qui a permis de diminuer les frais de la commune pour mettre en place ce rond-point. Et dans ce projet, il a nécessité l'acquisition d'une parcelle sur laquelle se trouve aujourd'hui la maison. Donc on a récupéré une partie de la voirie pour pouvoir faire le rond-point. Et maintenant, on se retrouve avec cette maison. Valérie Rialan va nous proposer un appel à projet. Effectivement, comme vous le dit Monsieur le maire, nous avons tout d'abord, dans le cadre du rond-point de la Baillette, fait l'achat de cette parcelle d'une superficie de 439 mètres carrés. Donc c'était en date du 16 mai 2017. Une partie de cette propriété a été détachée en vue du réaménagement et de la mise en sécurité de la voirie, donc ce qui a été fait. Et le reste de la propriété, donc, qui constitue la nouvelle parcelle, a une superficie de 375 mètres carrés. On y trouve une maison sur deux niveaux, non achevée, d'une superficie environ 200 mètres carrés. Donc la commune souhaite valoriser ce patrimoine et une cession pour un montant minimum de 250 000 euros basée sur l'estimation de la valeur vénale établie par France Domaine et sur le projet de cahier des charges, tous deux que vous avez pu consulter, qui sont annexés, est envisagée dans le cadre d'un appel à projet qui permettra d'attribuer le bien au mieux disant et de choisir un projet de qualité qui s'intégrera pleinement au site et à son environnement. Voilà. Merci Valérie. Alors, qui a des questions sur cet appel à projet ? Personne. Monsieur Pézuri. Oui, merci. J'aurais juste voulu que vous m'expliquiez le pourquoi de l'interdiction de revendre sans votre accord dans un délai de 10 ans. Puisque dans le cadre des clauses figurant à la vente, il est indiqué que la personne qui va acheter est interdite de revendre sans votre accord pendant un délai de 10 ans. J'ai du mal à comprendre, sachant que c'est un particulier. J'ai pas la réponse particulièrement, mais je peux le supposer. C'est-à-dire que normalement, quand on vend quelque chose, il faut être sûr que ça se soit pérenne ou ça fonctionne. Et comme le dit Valérie, en fait, c'est ce qu'on ne souhaite pas que quelqu'un l'achète pour la revendre. L'objectif, en fait, c'est pas de faire un coût financier et de laisser quelqu'un acheter une maison à 100 le lundi et la revendre à 110 ou 120 le jeudi. L'idée, c'est on veut un investissement pérenne. Donc, ce qu'on interdira dans l'appel à projet, c'est à la personne d'acheter le terrain le lundi et de la semaine prochaine de le retrouver sur le bon coin. C'est arrivé dans le passé sur certaines affaires, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on veut éviter, là, en fait, on veut se prémunir d'un achat-revente. Donc, l'idée, c'est vraiment de blinder l'appel à projet, d'en faire dans un premier temps, en priorité, un projet qualitatif et surtout de ne pas laisser la place à la spéculation. Vous auriez pu le vendre à un bailleur social, ça vous aurait fait un logement social de plus. Alors vous avez tout à fait raison, on aurait pu le faire. On a d'ailleurs posé la question, que ce soit sur ce foncier ou sur d'autres. La rénovation, c'est très compliqué pour le bailleur social. On a le cas, par exemple, sur le pensionnat aujourd'hui, où vous avez vu qu'on a fait tomber. Là, on travaille avec la métropole, mais avec la métropole, on a fait tomber la maison Saroche. Ça laisse découvrir une belle avenue, une belle vision sur le parc de Courbebesse, sur la maison du pensionnat. Se pose la question aujourd'hui de ce qu'on va faire dans ce pensionnat. Et je peux vous assurer que trouver un bailleur social, parce que c'est la volonté de la commune, trouver un bailleur social pour faire la rénovation, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident sur les grandes surfaces. Sur une petite maison, c'est encore moins évident. Sachant que la pénalité qui s'applique sur ce type de... La pénalité SRU qui s'applique pour la rembourser sur la rénovation de maison, c'est pas évident du tout. L'État nous aide pas beaucoup sur ce sujet. Donc, on aurait pu effectivement faire un logement social, mais il se trouve que c'est pas forcément facile de trouver un opérateur qui est prêt à la rénover, et encore moins d'avoir les financements de l'État pour le faire. Mais ça aurait été une bonne idée. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 13, c'est les subventions pour réfection de façade. Donc maintenant, vous êtes habitués à cette délibération. Donc aujourd'hui, il s'agit du ravalement des façades de l'immeuble 25 rue Joseph Lantrua pour une subvention d'un montant de 5 186,50 €. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération numéro 13 ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie.
Question numéro 14. Jean-Marc Illich va nous parler de la convention de partenariat avec différentes associations, le Naturoscope, le Centre de plongée, pour lutter contre la fameuse algue tueuse. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, oui, en effet, il s'agit d'une convention de partenariat avec les associations TELOSUB, le Naturoscope et le Centre de plongée du Pradé pour la lutte contre la prolifération de l'algue Colerpa, taxifolia dans la baie de la Garonne. Cette algue tropicale est une algue originaire du sud de l'Australie, d'Amérique centrale ou des côtes africaines. Elle a été observée pour la première fois dans le département du Var dans les années 90. Sa présence nuit gravement à la biodiversité du milieu marin, car c'est une espèce invasive qui met en péril la faune et la flore spécifiques de la Méditerranée. Depuis 2004, dans le cadre d'un plan d'action contre la prolifération de cette algue en baie de la Garonne, la commune organise, avec le soutien financier de la région, l'assistance scientifique du parc national de Port-Cros, ainsi que l'aide des associations et partenaires du milieu marin, des campagnes de surveillance, de prospection, d'éradication et de sensibilisation. Les différentes actions de contrôle menées dans la baie de la Garonne ont permis d'identifier et d'éradiquer depuis près de 20 ans des dizaines de sites colonisés par la Colerpa taxifolia sur la totalité de la zone étudiée. Ces résultats, très encourageants pour la poursuite de cette action de contrôle de la Colerpa, n'auraient pu être atteints sans les techniques scientifiques et logistiques apportées par l'association TELOSUB, l'association Naturoscope et le centre de plongée du Pradé qui, depuis 2008, par le biais de conventions de partenariat successives, assure chaque année l'accueil des participants bénévoles, la mise à disposition de matériel nécessaire, la surveillance annuelle du développement de la Colerpa taxifolia dans la baie de la Garonne, le pilotage de la campagne de prospection et d'éradication, participation à la prospection, organisation des journées d'intervention technique d'éradication sur les sites repérés, la rédaction d'un bilan technique de la campagne, l'élaboration et mise à jour d'un inventaire sur la biodiversité marine dans la baie de la Garonne, la prévention en sensibilisant les usagers de la mer. La convention s'y joint annexée et présentée aux membres du conseil municipal a donc pour objectif de définir et d'encadrer les conditions de ce partenariat de coopération technique, scientifique et logistique répondant aux objectifs de la stratégie communale de lutte contre la Colerpa taxifolia. En contrepartie des engagements de chaque association, la commune du Pradé s'engage à mettre en œuvre tous les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation de cette action. Mise à disposition de matériel d'éradication et d'un groupe électrogène. Paiement des frais de repas des bénévoles et professionnels qui participent à l'action. Remboursement sur présentation des factures, des frais d'essence pour le bateau du CPP. Mise à disposition durant toute la durée de la campagne pour un montant maximum de 200 euros. Paiement sur facture, des journées d'intervention technique, d'éradication organisées par l'association TELOSUB, dont le tarif est fixé à 1 000 euros par journée d'intervention effectuée par une équipe de 3 plongeurs professionnels. Les besoins peuvent être de 1 à 3 journées d'intervention durant la campagne. Paiement sur facture des demi-journées de sensibilisation effectuées par le Naturoscope dans la limite de 3 000 euros. La commune du Pradé s'engage également à payer, à titre forfaitaire pour leur participation active à la préparation et à la réalisation de la campagne, réunion, coordination des plongées, compte rendu inventaire, une prestation d'un montant de 500 euros à TELOSUB, 500 euros au Naturoscope, 500 euros au centre de plongée du Pradé. Il est à noter que cette participation financière de la commune est subventionnée à hauteur de 70% par la région Sud-PACA. La convention sera valable à compter de sa date de signature jusqu'au 31 décembre 2024, soit pour une durée de 4 campagnes annuelles, sous réserve du maintien des aides financières de la région et pourra, à l'issue de cette période, être prolongée par reconduction express. Elle pourra également être interrompue par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'échéance du 31 décembre de chaque année. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter le principe de reconduction de la stratégie communale de lutte
contre la prolifération de l'algue Colerpa taxifolia dans la baie de la Garonne, d'autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec les associations Télosub, Naturoscope et le club de plongée du Pradé, d'autoriser M. le maire à prendre tout acte lié à la mise en œuvre de ces dispositions. Merci pour cette présentation complète. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 15, Thomas Michel. Ça concerne la taxe locale sur la publicité extérieure. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Donc, il s'agit de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, et ses tarifs applicables à partir de 2022. Je rappelle l'implication de la commune dans le soutien au commerce de proximité, et notamment l'implication exceptionnelle de Monsieur le maire à tous ses commerçants. Pour rappel, des campagnes de communication lors du premier confinement, des exonérations de taxes locales sur la TLPE au titre de l'année 2020, des distributions de bons à la population pour des achats auprès des petits commerçants déclarés non essentiels par le gouvernement. Pour mémoire, la TLPE s'applique sans exception à tous les supports publicitaires fixes, exploités et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, située sur l'ensemble du territoire de la commune. On distingue trois catégories de supports, les dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les enseignes. En effet, les tarifs de droit commun sont les tarifs maximaux figurant au B de l'article L2333-9 du CGCT. Ces tarifs varient selon la nature du support et la taille de la collectivité. Par ailleurs, ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, sauf délibération contraire de la commune. Le taux de variation applicable au tarif de la TLPE pour 2022 s'élève à 0%. Le tarif maximal de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à l'article L2333-9 du CGCT s'élèvera donc en 2022 à 16,20 euros du mètre carré. Ainsi, conformément à l'article L2333-10 du CGCT, il est proposé de fixer comme tarif de référence ce tarif de 16,20 euros du mètre carré. En raison du taux de variation nul cette année, les tarifs maximaux appliqués en 2022 ne varieront pas par rapport à l'année 2021. Il est précisé que les mêmes modalités de calcul seront appliquées chaque année pour déterminer le tarif de référence et les tarifs applicables sur le territoire communal. Considérant que le taux de variation applicable à la TLPE pour 2022 est fixé à 0%, considérant que le tarif de base par mètre carré appliqué à un support ne peut augmenter de plus de 5 euros d'une année sur l'autre, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de maintenir l'exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, de fixer le tarif de référence à 16,20 euros du mètre carré, de fixer les tarifs pour l'année 2022 à, alors si vous avez le tableau devant les yeux, pour les enseignes superficie égale, inférieure ou égale à 12 mètres carrés, ça sera 16,20 euros du mètre carré, d'une superficie entre 12 et 50 mètres carrés, ça sera 32,40 euros du mètre carré, pour une superficie supérieure à 50 mètres carrés d'enseigne, ça sera 64,80 euros du mètre carré. Et après une distinction avec les dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques, pour une superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, on restera à 16,20 euros du mètre carré. Supérieure à 50 mètres carrés, on sera à 32,40 euros du mètre carré. Et pour les supports numériques, superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, on sera à 48,60 euros du mètre carré. Et supérieure à 50 mètres carrés, 97,20 euros du mètre carré. De dire que ces tarifs seront relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. De donner tout pouvoir au maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe et de charger le maire de notifier cette décision au service de l'État. Merci. Merci pour cette présentation complète. Avez-vous des questions sur la TLPE ? Monsieur Pézuri. Ça mieux. Vous avez évoqué 2020 avec une exonération de la taxe. Vous évoquez 2022 avec des tarifs.
Vous dites que les tarifs maximaux appliqués en 2022 ne varieront pas par rapport à 2021. Quid d'une éventuelle exonération de taxes pour 2021, puisque la crise économique est quasi équivalente, sinon plus importante pour l'ensemble des commerçants par rapport à ces taxes sur la publicité? Oui, on a déjà fait pas mal de choses, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Thomas Michel. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites pour les commerçants, alors que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la commune. La commune, je le rappelle, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est les bons de Noël, c'est l'exonération de terrasses, l'exonération d'un certain nombre de dispositifs. On n'a pas eu de demande spécifique sur la TLPE. S'il devait y en avoir une, pourquoi pas. On est toujours à l'écoute, on est au contact des commerçants. S'il y avait des difficultés... on serait bien sûr à l'écoute des difficultés des commerçants. Aujourd'hui, on n'a pas eu de remontée, pas de demande spécifique sur ce sujet. On sera amené à prendre des délibérations. On se dit peut-être que, par exemple, ce serait une bonne idée pour les nouveaux commerçants de les aider pendant un an ou deux ans à ne pas payer les droits de terrasse. Pourquoi pas? Donc, on est toujours en accompagnement des commerçants sur notre commune du Pradet, parce que l'attractivité de nos communes passe bien sûr par l'embellissement de celle-ci, comme on est en train de le faire en ce moment, comme on l'a fait sur le premier mandat, comme on continue à le faire sur le deuxième mandat. Mais au-delà de l'embellissement, au-delà de la fluidité qu'on a amenée avec tous les travaux qu'on a faits, au-delà du bien-être qu'on essaie d'apporter dans un certain nombre de domaines, il y a aussi l'attractivité qui est rendue par les commerçants. Et les commerçants, c'est très, très clairement des gens qui aident à renforcer l'attractivité de la commune. Donc on est toujours au contact avec eux, toujours prêt à les aider. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. Il n'y a pas d'autres questions sur cette délibération? Non. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, question numéro 16, ça concerne le projet éducatif territorial. Cécile Christelle Gomez. Bonjour à tous. Donc, le projet éducatif territorial, plan mercredi, est une convention de partenariat entre la commune, l'État, notamment l'éducation nationale, et la caisse d'allocation familiale. C'est un projet qui formalise l'ensemble des dispositifs sur la commune pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Ce projet propose à chaque enfant pradétant un parcours éducatif cohérent et de qualité sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. La commune souhaite signer un nouveau PEDT plan mercredi 2020-2023, ce qui nous permettra notamment d'obtenir davantage de financement de la caisse d'allocation familiale. Le nouveau PEDT reprend l'ensemble des activités déjà proposées dans le précédent PEDT, en ajoutant des améliorations ainsi que des nouveaux dispositifs. Nous avons par exemple modifié les modalités de réservation sur le portail citoyen pour le périscolaire et la LSH, avec davantage de souplesse pour les parents. Pour la crèche, nous sommes passés de 68 à 76 places dans la structure du jardin des Pitchouns. Nous avons effectué des travaux l'été dernier, phase 1, et nous continuons la phase 2 cet été. Nous créons dès ce mois d'août, dans le cadre du CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, une semaine de révision supplémentaire avant la rentrée pour les collégiens, et on ajoute aussi cette année les CM2, donc futurs 6e, pour les préparer à leur rentrée au collège. Donc c'est une semaine de révision gratuite et ouverte à tous les collégiens. Donc, nous créons aussi, à partir de la rentrée de septembre prochain, un passeport ado, le mercredi après-midi, qui permettra aux jeunes de 11 à 15 ans de découvrir différentes activités sportives. Nous allons également mener une réflexion sur les activités ado, enfin sur le club ado, qui ne fonctionne pas très bien sur sa formule actuelle. Donc, nous allons mener une concertation avec les ados pour mieux étudier leurs besoins et étudier les besoins pour cette tranche d'âge. Voilà, il est proposé au conseil municipal d'approuver le PEDT plan mercredi 2020-2023, d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions avec les services de l'État et la CAF et à prendre tout acte lié à sa mise en œuvre. Merci madame Christelle Gomez. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 17, 18 et 19, ça concerne l'association. Agnès Biasuto va nous parler de tout ça. Merci monsieur le maire, bonjour à tous. Donc la délibération 17, l'association USP Football a demandé en début d'année une subvention pour son tournoi Kids Cup d'un montant de 5 000 euros.
sur laquelle le conseil municipal s'est prononcé favorablement lors du vote du BP 2021. L'association sollicite à nouveau la commune, mais cette fois-ci au titre de son besoin pour assurer le fonctionnement global de l'USP Foot. Il s'agit de concrétiser une nouvelle fois notre soutien actif au tissu associatif Pradétang, qui accompagne la municipalité lors d'actions tout au long de l'année, et de financer son fonctionnement annuel. Le tournoi Kids Cup n'ayant pas eu lieu, il convient de se prononcer sur un montant complémentaire de 15 000 euros, afin de porter le niveau d'aide de la commune à 20 000 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention d'objectifs et de moyens de l'USP Foot validée lors du conseil municipal de juin 2018, considérant l'intérêt pour la commune d'aider cette association très active, il est ainsi proposé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à procéder à l'attribution de cette subvention complémentaire de fonctionnement pour un montant de 15 000 euros et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à cette mise en œuvre. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions, Monsieur Pézuri? Oui. Personnellement, j'aurais aimé connaître le montant de la subvention qu'a demandé le club, puisque vous dites que l'association sollicite à nouveau la commune pour assurer son fonctionnement. Donc, quel montant ils ont demandé? Alors, 5 000 euros. Non, ils ont demandé 5 000 euros pour le tournoi, donc au niveau. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc apparemment. Donc, on leur a signalé que ça nous étonnait un petit peu, mais en étant en crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a des allègements au niveau des frais. Donc et ensuite, c'est là où ils se sont manifestés un petit peu tardivement qu'ils avaient fait une erreur de leur part. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on repasse donc une délibération pour pouvoir compléter la subvention. Alors, connaissant un petit peu donc, ce club-là, sauf erreur de ma part, depuis une dizaine d'années, sinon plus, la subvention était à hauteur de 30 000 euros. C'est faux. Laissez-moi finir, si vous permettez de finir, parce que... Vous dites aussi des choses qui ne sont pas forcément fondées dans votre papier, donc je ne vous dis pas que c'est faux. Donc il y avait 30 000 euros avec 5 000 euros de valorisation de l'emploi des intervenants municipaux. Et cette valeur, vous la reteniez-vous? Moi, je ne vous parle que de la subvention financière. Je vous laisse finir. Laissez-moi finir. Donc du coup, la commune octroyait annuellement une somme de 25 000 euros. Qui comprenait l'ensemble du fonctionnement, les tournois, les lotos, ainsi de suite. Et là, donc, bon, il y a une erreur de la part du club, puisque manque de personnes présentes suite à la Covid, donc pas de demande de subvention faite en son temps. Donc ça, je peux l'entendre. Mais ce que je déplore, c'est que cette somme soit ramenée à 20 000 euros, globalement, et non pas 25 000, dans le sens où c'est un club qui va créer une section féminine en 2021, donc des frais supplémentaires. C'est un club qui accueille plus de 20 personnes en sport adapté, donc des frais supplémentaires. C'est un club qui, l'année prochaine, aura les cotisations en diminution parce que les seniors n'ayant pas eu de championnat, donc ils paieront uniquement l'assurance et la subvention liée à la Ligue et non pas au club. Donc, je trouve dommageable pour 5 000 euros, même si vous dites bon, le tournoi n'a pas eu lieu. Mais vous savez très bien que depuis des années, et ça ne vous concerne pas que vous, puisque j'étais aussi aux commandes et d'autres maires ont été aux commandes, ce club est toujours sur le fil du rasoir au niveau financier, parce que les parents demandent un encadrement de plus en plus important. Les enfants sont accompagnés par des éducateurs avec des défraiements par rapport à tout ce qui est essence et tout ça. Et l'essence n'a pas diminué depuis 20 ans. Donc je trouve très dommageable que pour 5 000 euros par rapport au budget de la commune, et le club de foot n'est pas le seul ciblé là-dedans, puisque quand on regarde l'ensemble des stations, il y en a beaucoup qui ont vu des diminutions, quelques-unes des augmentations. Donc je trouve dommageable que pour 5 000 euros, vous n'ayez pas donné la subvention habituelle qui permettrait au club de démarrer en 2021 de manière cohérente et sereine. Merci. Merci. Je vais vous répondre sur quelques petits points et après je laisserai peut-être la parole à Monsieur le maire. Justement, j'ai fait quelques petites recherches. En fait, quand M. Stassinos a été élu, la subvention financière attribuée à l'USP Foot était de 2 000 euros de moins, c'est-à-dire de 23 000 euros, donc sous votre mandat. 23 000 euros. En 2014, M. Stassinos a augmenté la subvention, on est passé à 25 000 euros financiers. Ensuite, en ce qui concerne l'aide des éducateurs sportifs, à l'heure actuelle, donc elle n'est pas, elle vient en plus des 25 000 qui est stipulé sur la convention.
Les étapes par an, l'aide est estimée à 6300 euros par an. D'accord ? Voilà. Donc l'aide est toujours apportée. Ensuite, nous, nous sommes là aussi pour appuyer et entourer le club dans toutes ces manifestations. Et nous sommes toujours présents avec une aide logistique, matérielle, humaine. Voilà, donc tout ça, c'est un coût aussi. Hein. Donc, la subvention en elle-même, quand nous sommes arrivés, nous l'avons augmentée de 2 000 euros. Elle est passée à 25 000 euros. Oui, sauf que vous oubliez de dire que fin 2013-2014, il y a une subvention exceptionnelle qui a été donnée au foot. Oui, je vais y venir. Oui. Cette subvention exceptionnelle de 10 000 euros a été accordée, et c'est vous qui l'avez demandé, hein, pour prendre la présidence du club. C'était la condition sine qua non de prendre la présidence du club, sinon vous ne la preniez pas. Tout à fait. C'est tout à fait ça, hein, 10 000 euros. Oui. Et nous étions partis sur un constat, c'est-à-dire que sur un principe, c'est que à l'avenir, le club essayait d'avoir une gestion un peu plus financière, un peu plus solide. Alors, de ses comptes. Si vous permettez, je vais resituer dans le temps. 2014, j'étais encore maire. Et la première subvention de 10 000 euros a été donnée par ma municipalité, par l'équipe qui était à mes côtés, de 10 000 euros en 2014. Ensuite... En 2016. Non, mais moi, je vous parle de 2014. Je vous parle de 2014, parce que vous voulez la vérité, c'est 2014. Et ensuite, M. Sassinos a accordé le même principe de subvention, parce que le club avait été géré de manière très laxiste. Il y avait eu des emplois qui avaient été faits. Il a fallu licencier deux personnes. J'en ai pris les responsabilités, comme M. Sassinon s'est pris ses responsabilités. J'en ai pris ses responsabilités. Et l'engagement qui avait été pris, sauf erreur de ma part, jusqu'à il y a deux ans quand j'ai quitté la présidence, les comptes d'équilibre, sinon peut-être excédentaires par endroit. Merci pour votre attention. Merci Agnès. Oui, je voudrais appuyer le propos d'Agnès. Juste pour rappeler, vous savez qu'on a mis en place pour les associations du Pradet, une procédure qui passe notamment par la signature de conventions d'objectifs et de moyens pour être bien sûr que l'argent, alors c'est légal, hein, légalement on est obligé de le faire, et au-delà de l'aspect légal qui nous oblige à le faire, l'intérêt pour la commune, donc pour les administrés, c'est d'être bien sûr que quand on subventionne une association, les deniers publics qui vont à destination d'associations correspondent bien à l'objectif de l'équipe en place. On est vraiment dans le dialogue, dans la concertation. Un des avantages de cette conversation, c'est que ça nous permet de définir avec les associations quels doivent être leurs objectifs. Alors bien sûr, elles gèrent leur association en parfaite autonomie, hein. Loin de nous l'idée de s'immiscer dans la gestion des associations. En revanche, c'est un petit peu normal, à partir du moment où il y a de l'argent qui est donné aux assos, il faut qu'on voit quelle va être leur utilisation. C'est une obligation légale de notre part et on s'y conforme. Il faut savoir que cette année... On a fait comme tous les ans, Agnès Biasuto a envoyé une demande aux associations, disant, cette année, qu'est-ce qu'il vous faut comme subvention ? De quoi avez-vous besoin ? Si on vous montrait, on pourra vous le montrer d'ailleurs si vous le demandez, on pourra vous montrer le tableau des demandes. Il y a des associations qui n'ont rien demandé, qui nous ont dit, attendez, nous cette année, ambiance Covid, on est fermé, on n'a pas d'adhérents, on n'a pas besoin d'argent. Donc, je n'ai pas toutes les associations en tête, j'en ai quelques-unes. Donc, il y en a qui n'ont pas pu exercer une quelconque activité, qui nous ont demandé 0 euros. Il y a des associations qui n'ont pas pu exercer une quelconque activité, mais qui avaient besoin du soutien de la commune parce qu'ils ont des frais fixes. Nous les avons accompagnés, malgré qu'il n'y ait pas eu d'activité et qu'ils n'aient pas pu remplir par définition, ils n'ont pas pu remplir leur convention. Mais la mairie a souhaité les soutenir, les accompagner, parce que le tissu associatif, c'est un peu comme les commerçants. On a besoin d'eux pour rendre de l'attractivité à notre commune. Donc, quand on a reçu la demande de l'US Football de 5 000 euros, ça ne nous a pas surpris plus que ça, parce qu'il y en avait plein d'autres qui ne demandaient rien. Donc, on a reçu une demande pour 5 000 euros. On a généreusement donné 5 000 euros. Ils sont revenus nous voir en disant, voilà, on a fait une petite erreur, pas de problème. On les a revus, ça s'est passé dans mon bureau d'ailleurs, on les a reçus, on a refait un point. On leur a demandé de combien ils ont besoin. Je pense que ce qui est voté aujourd'hui, ça correspond pile poil à ce dont a besoin l'association de football. Si demain, il y a quelque chose d'imprévu qui leur arrive, la mairie sera toujours là pour les soutenir. On sera toujours en soutien du club de football, comme on sera au soutien de l'ensemble du tissu associatif du Pradet. Mais pas n'importe quel coût, pas n'importe quel prix, pas n'importe quelle façon. Tout ça, il faut que ce soit cadré via des conventions. Et on peut faire confiance à Agnès Biasuto pour un œil très, très acerbé sur tout ce qui se passe et être sûr que les deniers publics sont bien utilisés au sein des associations qui ont le soutien de l'ensemble de l'équipe municipale, y compris de l'opposition, je l'imagine. Pas d'autres interventions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie pour l'USP Football. Agnès, toujours pour la question 18. Maintenant, on parle du kayak. Alors, Monsieur Cabrera. Alors, attendez. Donc, une abstention ? Non, le groupe
tout le groupe. Alors, on va refaire ça. On repasse là, 17, donc. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et pour Lou. Donc, je vous rappelle que c'est quand même pour donner de l'argent au club de football. Donc, heureusement qu'on l'a voté, cette subvention, sinon on n'aurait pas pu leur donner leurs 15 000 euros. Donc, merci en tout cas pour ce vote, en tout cas pour ceux qui ont voté pour. Et on va passer à la question 18, donc. Question 18, ça concerne le kayak, maintenant. La ville du Pradé souhaite contractualiser le partenariat qu'elle entretient avec ses associations afin de formaliser le soutien qu'elle entend donner aux actions et projets associatifs en détaillant leurs engagements respectifs. Et le cas échéant, mettre en conformité l'ensemble des conventions existantes et de fixer ainsi leur objectif commun. L'association Club de Kayak Le Pradé représente une structure sportive d'intérêt général local dans son domaine qui est la promotion et développement du canoë-kayak et sport pagay. Conformément à la délibération 20-DCM-DGS-114, le conseil municipal en date du 28 septembre 2020 a autorisé M. le maire à contractualiser le partenariat avec le club de kayak Pradétang dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens pour une durée de 3 ans. L'avenant à cette convention, qui est présentée aujourd'hui, a pour objectif de définir les modalités d'acquisition, d'utilisation et de stockage de kayaks supplémentaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant 6 juin entre la ville et l'association Club de Kayak et à prendre tout acte lié à la mise en œuvre du présent avenant. Merci. Merci. Merci Agnès. Avez-vous des questions sur cette délibération numéro 18 pardon. Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Question 19, c'est toujours Agnès et ça concerne 4... Association, l'Amicale Laïque, l'OMS, le Rugby Club du canton et l'USP Football. Voilà, donc sur cette délibération, il s'agit d'un renouvellement de conventions associatives d'objectifs et de moyens pour les 4 associations citées, à savoir donc le football, le RCV-RGP, l'Office municipal des sports et l'Amicale Laïque. Les 4 conventions sont arrivées au terme et donc doivent être renouvelées. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser M. le maire à signer les 4 conventions annexées à la présente et citées précédemment et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à leur application. Merci. Monsieur Pézuri. J'avais une question préalable. Est-ce que ces conventions ont été vues en amont avec les clubs et associations ? Oui. Donc, ils sont parfaitement au courant de ce qu'il y a dedans ? Oui, tout à fait. D'accord. Par contre, bon, concernant la convention de l'USP, je vous prie de m'excuser d'intervenir à nouveau, mais je vous rassure, j'ai rendu les clés, parce que depuis 2018, les enfants arrivent à se doucher, arrivent à aller dans les vestiaires. Donc je ne trouve pas utile que dans la convention, ils soient marqués que je sois tenu de rendre les clés. Elles ont été rendues en bon temps. Pas de problème. Merci. Je note. Merci. Pas d'autres questions sur ces conventions. Est-ce que vous êtes d'accord pour les voter toutes les 4 en même temps ? S'il n'y a pas de vote, Monsieur Tandil, allez-y. Voilà. Monsieur le maire, Madame Biosotto, c'est une question d'ordre administrative. On avait voté, là, les conventions sont faites pour 3 ans, pas de problème, mais on avait voté pour Club Nautique pour une subvention de 6 ans. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Club Nautique a eu 6 ans, ce n'est pas un reproche, hein, mais que les autres clubs ont eu 3 ans de subvention. Oui. Merci. Vous avez fait juste une confusion entre les conventions de partenariat et la convention d'exploitation. La convention d'exploitation du club nautique ou du club de kayak est faite sur 6 ans, tandis que la convention de partenariat ici présente est faite sur 3 ans. C'est juste une confusion de votre part, c'est tout. Merci, pas d'autres questions. Donc, vous êtes d'accord pour les voter tous les 4 en même temps, s'il n'y a pas de vote différent ? D'accord. Donc, on va voter les 4 en même temps. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc les 4 conventions sont approuvées à l'unanimité. La 20, cette fois-ci, toujours Agnès, ça concerne la modification du plan de financement pour le stade de rugby. Je crois qu'on a une bonne nouvelle. Autant en profiter, elles sont rares. Alors, au niveau financier. Lors du conseil municipal de mars 2021, le projet de rénovation du stade synthétique de rugby a été présenté aux élus. Pour rappel, suite aux tests réalisés en 2020 par un bureau d'études spécialisé pour le terrain synthétique de rugby, il a été détecté des problèmes de planéité et une vétusté du revêtement ne permettant plus de répondre aux normes de la World Rugby. Donc la commune souhaite procéder à la rénovation complète de ce terrain.
Pour aider la commune dans ce projet, plusieurs partenaires ont été sollicités, notamment la métropole, dans le cadre d'un fonds de concours. Cette dernière nous a informé qu'elle ne pourrait pas cofinancer ce projet au-delà de 63 885 euros, ce qui justifie la présentation de ce nouveau plan de financement. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment des dispositions du 26 de l'article L2122-22, issu de la loi 2015-991 du 7 août 2015, qui dispose que le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé de demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Vu la délibération du conseil municipal de juillet 2020 portant délégation d'attribution au maire, vu la délibération du conseil municipal portant sur les demandes de subventions auprès du conseil départemental et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, considérant de la nécessité de devoir refaire valider le plan de financement avec la somme exacte accordée par la métropole au titre du fonds de concours 2021, il est ainsi proposé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser M. le maire à solliciter la métropole à hauteur de 63 885 euros et à signer toutes les pièces nécessaires et à prendre tous les actes subséquents utiles à la demande de la subvention. Merci. Merci. La bonne nouvelle, c'est en fait aussi les DETR qui nous accordent 283 000 euros, oui. Ce qui est une bonne nouvelle. 238 000, pardon. J'ai inversé les chiffres à l'avantage de la commune, mais non, c'est 238 000, pas 283 000. Voilà. Voilà. Des questions, pas de questions. Je vous propose de passer au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité sur la question 20. Je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-François Plane, qui est le fervent défenseur de la cause animalière, et ça concerne les animaux qui vont être mis en fourrière. Bonjour à tous. Effectivement, ces deux conventions qui concernent des mises en fourrière, conformément au code rural et au code de la pêche maritime, et notamment les articles 211-24, les communes doivent disposer soit d'une fourrière communale, apte à l'accueil et à la garde des chiens trouvés ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Le chenil de la Colle Noire, avec qui nous avions une convention depuis le 5 mai 2017, a déposé le bilan et fermé ses portes le 1er juin 2021. La ville de Hyères dispose d'une fourrière pour animaux exploités en régie directe. Dans le cadre d'une convention, cette dernière nous permet de pouvoir bénéficier de ses installations et des services de sa fourrière dans la limite de la capacité d'accueil des installations. La société L'Écrou d'Amour, implantée sur la commune de Carnoules, nous permettrait d'accueillir les animaux non identifiés et se chargerait de leur placement après un délai de garde défini. Les prestations des captures et de la conduite des animaux restent à notre charge avec les deux partenaires. Ces conventions seront signées pour une durée de 3 ans. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature des conventions avec la commune de Hyères et avec la société L'Écrou d'Amour implantée à Carnoules pour la mise en fourrière des chiens errants et donc d'autoriser M. le maire à signer les conventions annexées à la présente délibération. Merci pour la présentation. Avez-vous des questions, Madame Thiard? Juste pour savoir le nom des vétérinaires sur la commune du Pradet. Alors, nous avons deux conventions avec les deux vétérinaires. Alors, de tête, c'est M. Luçon et l'autre, je ne me rappelle plus. Nous sommes en train de les passer à renouvellement parce qu'elles arrivaient à échéance également. Donc, ça tombe très bien. Voilà. Donc, c'est l'autre, je ne me rappelle plus son nom, mais je peux vous le faire parvenir. Voilà. Merci, M. Plane. Je vous en prie. Merci. Pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Donc, la délibération numéro 21, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Question numéro 22, donc on vote dans la foulée, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. La question numéro 23, ça concerne une convention de gestion du collecteur à déchets flottants, Sibine. Monsieur Giner. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues,
Dans le cadre du budget participatif 2019, le projet d'achat d'un dispositif de récupération de déchets dans l'emprise du port des Oursinières a été adopté. Afin de garantir une bonne gestion de cet équipement, il convient d'établir une convention entre la commune et le port des Oursinières. Cette convention détermine la répartition des charges et des responsabilités de chacun. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'adoption de cette convention et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Avez-vous des questions sur cette délibération 23 ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité sur la 23. Délibération numéro 24, ça concerne la sortie du syndicat intercommunal du maintien des sports de glace. Alors, au regard, vous savez qu'on fait beaucoup d'investissements dans la commune. Ils en font aussi beaucoup pour la patinoire. Ça, c'est un beau projet, mais c'est un projet qui a coûté beaucoup d'argent, qui va probablement entraîner une hausse des cotisations des différentes communes. Donc, on s'en est expliqué avec le président du syndicat, bien sûr. Tout se passe très bien. On lui a expliqué qu'on avait une baisse de dotation globale de fonctionnement, qu'on avait une pénalité SRU qui était passée à 600 000 euros. On vous avait expliqué lors du vote du budget que ça allait nécessiter un certain nombre de décisions qui étaient parfois difficiles. Ça en fait partie. Et puis, on a aussi des projets à financer, comme l'école Marcel Pagnol. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de sortir, bien sûr, de sortir du syndicat intercommunal de la patinoire, de manière à pouvoir économiser un petit peu de sous et réinjecter dans la commune. Donc, ça se passe tout à fait à l'amiable. On est en discussion. J'ai eu le président de la patinoire encore ce matin. On en discute avec les maires des autres communes qui sont adhérents de la patinoire. Donc, il y a bien sûr la commune de la Garde, la commune du Revest et la commune de Toulon. Donc, l'idée, c'est de sortir à l'amiable, bien sûr. Et sinon, le préfet pourra toujours intervenir pour déterminer quelles sont les modalités de sortie. Mais je ne pense pas qu'on arrive là. Je pense que ça se passera en bonne entente avec nos amis maires des communes qui sont adhérentes au syndicat. Avez-vous des questions sur cette délibération, Monsieur Pézuri, allez-y. Oui, je voudrais intervenir sur deux points. Alors, le premier, vous mettez en avant la baisse de DGF, ça je l'entends, c'est pas d'aujourd'hui. Les pénalités SRU, oui, ça c'est le résultat d'un choix qui a été fait, donc c'est vrai que les pénalités ont augmenté. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec la compensation partielle de cette habitation, parce qu'à mon sens, et je pense que lors du budget, on en avait évoqué, mais chaque commune est à un niveau zéro de perte ou de gain, normalement, sauf celles qui sont vraiment endettées. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une compensation partielle de la taxe d'habitation. Elle est compensée. Alors, peut-être que dans les années à venir, il y aura une décroissance, parce qu'on sait très bien que lorsqu'une taxe est compensée à un moment donné, il n'y a pas forcément le coût de la vie qui s'implique. Mais au moins, dans cette décision-là, je ne pense pas que ce soit un impact important. Deuxième problématique, je trouve dommage donc de quitter ce syndicat, quelles qu'en soient vos raisons. Quid d'une prise en charge par la métropole, puisque la métropole a su prendre en charge bon nombre d'équipements sur bon nombre de communes. On va parler de terrains de sport, terrains d'évolution, de gymnase, ainsi de suite. Il en a même fait construire pour des communes. Donc pourquoi ne prendrait-il pas ce bien-là, donc la patinoire, puisqu'il y a une vocation. Alors, on n'est pas forcément un territoire à neige en permanence, mais il y a quand même une vocation éducative pour les enfants de toutes les écoles, donc une démocratisation de ce sport à travers les écoles. Il y a quand même un club de hockey qui, à mon avis, a de très bons résultats, mais qui, aujourd'hui, donc jusqu'à aujourd'hui, partait vers Marseille pour l'entraînement. Donc, il peut y avoir une retombée pour la métropole. Donc, pourquoi ne pas prendre ce bien au niveau de la métropole, au même titre que l'ont été des stades comme Fonprix, ainsi de suite. Merci. Alors, sur la partie finance, bon, la DGF, elle n'augmente pas, en fait. Donc, quand on prend en compte l'augmentation des coûts de la vie, etc., la stabilisation de la DGF, et en fait, elle est en légère diminution, d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on a vu au dernier budget, pour ceux qui ont été attentifs au dernier conseil, et je pense qu'on a tous été. Il y a une légère baisse de la DGF, quand même. Alors, la DGF, elle est de 80 000 euros. Ce n'est pas neutre pour une commune comme le Pradet. Voilà, donc il change en fait les. Il y a plusieurs composantes de la DGF, hein. Il y a plusieurs composantes, dont une composante qui a fait que la commune du Pradet est impactée au bénéfice d'autres communes et au détriment de la commune du Pradet. Donc la DGF concrètement continue à baisser, moins que ça a été une période. Je rappelle qu'on a perdu 1 million, on était à 2,3 millions de DGF, on est passé à 1,1 million. C'est quand même beaucoup pour une commune comme le Pradet. À l'échelle d'un mandat, on parle de 7 millions d'euros, c'est considérable. La pénalité SRU, 600 000 euros, je trouve que c'est abusé.
D'ailleurs, on a fait un recours auprès du tribunal pour tenter de faire diminuer cette peine. Pour le coup, c'est pas une pénalité, c'est une vraie peine pour la commune, une peine financière. L'ACRO a gagné son recours en première instance. On verra comment ça aboutit. Ensuite, la TH, on a une petite alerte. Alors, je ne sais pas, Jean-Michel, où est-ce qu'on en est. On a une petite alerte en début d'année sur la TH parce qu'on a eu un rôle, quand le rôle de la taxe d'habitation est arrivé, on a eu une baisse qui était assez significative. Les services de l'État des impôts nous ont dit que c'était une petite erreur et qu'on devrait recevoir le nouveau rôle de la taxe d'habitation qui ferait que ça serait remboursé effectivement en euros constants. J'espère que ça sera vrai. Je ne sais pas si on a eu la réponse depuis, je n'ai pas trop suivi. Je pose la question toutes les semaines, mais on est lundi, je n'ai pas eu le temps de poser la question ce matin, mais je la poserai cet après-midi ou demain matin. En tout cas, on est très attentif à ces baisses de recettes. Et effectivement, ça obère le budget sur un certain nombre de financements, d'investissements qu'on ne peut pas forcément faire. Concernant la patinoire, votre deuxième question, c'est la patinoire à la métropole. Oui, c'est un sujet qui a déjà été mis sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du jour. Ça le sera peut-être dans un futur lointain. Je ne pense pas que ça sera le cas dans un futur immédiat. Merci. Pas d'autres questions sur cette délibération. Madame Thiard. Je voudrais juste connaître l'année dernière, on a bien injecté un montant par rapport à ce syndicat. C'est 26 000, j'avais dit 27 000, je m'étais trompé de 1 000 euros, c'est 26 000 euros. Merci. Pas d'autres questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Abstention ? D'accord. Qui est pour ? Madame Thiard, vous n'avez pas voté, je pense. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a épuisé toutes les délibérations à l'ordre du jour. Il nous reste les décisions à communication. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à M. Pézuri, allez-y. Monsieur le maire, donc je récupère vos propos de début de séance. Je ne suis pas là en campagne électorale. Mais j'interviens pour le Pradé, pour un projet que nous avions porté nous aussi pendant la campagne des municipales. Qui s'appelle le groupe scolaire Marcel Pagnol. Donc si, à travers ce qui peut se dire dans la commune, à travers ce que l'on peut lire dans cette décision qui vous demande d'avoir une assistance juridique, si on remonte à la délibération qui modifiait le règlement intérieur des commissions d'appel d'offres et ainsi de suite, on s'aperçoit que ce dossier a été attaqué, puisque vous voulez vous défendre. Sauf erreur de ma part, donc ce dossier a été attaqué par la SAGEP, qui était. Alors, je signale que si j'ai quelques informations, c'est aussi que je fais partie de la commission d'appel d'offres, donc je n'étais pas présent le jour de l'ouverture des plis, mais j'en tiens confiance à la personne d'Isabelle Roger, que je connais depuis très longtemps, et des fonctionnaires qui l'accompagnent pour la bonne tenue de ce genre d'opération. Donc, vous avez été attaqué par la SAGEP, donc pour un projet Pradétan. Qui est quand même important sur, dans la durée, dans le montant. J'en suis étonné. J'en suis étonné, surtout que le président est votre collègue maire voisin. Donc j'ai du mal à saisir l'étonnant et aboutissant de ce genre de problématique d'attaque. Surtout que j'ai pu lire donc, dans le journal que, ou dans d'autres brochures qu'il était prêt à vous accompagner sur ce projet. Donc il y a tout et son contraire dans cette problématique de décision. Donc, je suppose que vous ne pourrez pas forcément tout dire aujourd'hui, puisqu'il y a là aussi, il y a donc un procès. Mais je trouve dommageable pour le Pradé d'avoir ce genre de problème. Merci. Alors, je vais faire quelque chose qui est assez inhabituel de ma part. Je vais vous lire un texte, parce que je m'attendais un petit peu à la question. Donc, de manière à bien rester dans les clous et pas me faire attaquer un peu plus que ce que j'ai jusqu'à maintenant, je vais simplement me contenter de vous lire un texte, et je n'irai pas au-delà. Alors, je vous confirme qu'un recours en référé contentieux précontractuel, qui est une procédure d'urgence, a été déposé par un des trois candidats. Vous l'avez nommé, je ne l'ai pas fait, mais vous l'avez nommé, vous aviez raison. Qui n'a pas été retenu et que la commune s'est pourvue en cassation sur une première décision du juge. Le projet est par conséquent suspendu aux procédures qui en découlent et aux décisions de justice à venir. Je pense bien entendu en priorité aux familles et à l'ensemble de la communauté éducative, avec qui nous avons travaillé dans le seul intérêt des enfants. Je remercie également les services de la commune et les élus qui se sont investis sur ce projet.
Je veux les rassurer aujourd'hui et leur dire que notre énergie et la volonté de la commune sont intactes afin que ce projet aboutisse. Je rappelle que c'est une école de type Pailleron et que sa vétusté fait l'unanimité sur la nécessité de la reconstruire. Nos enfants ont le droit d'apprendre et de s'épanouir dans de bonnes conditions et nous avons le devoir de leur en offrir les possibilités. Comme vous l'avez dit, compte tenu du fait de la procédure en cours, je me dois d'être prudent sur la communication et serai donc avare de mots sur celle-ci. Je peux simplement vous dire que la commune conteste le plus vivement, sur la forme comme sur le fond, tout ce qui lui est reproché. Madame Thiard. Merci pour ces explications, monsieur le maire. Vous avez entièrement raison dans le fait où c'est l'intérêt général. On devait très vite faire les travaux pour que Marcel Pagnol puisse être fait. Ce n'est pas le cas. Si on a tous les éléments, vous aurez tout mon soutien si vous devez aller en pénal avec eux. Merci, monsieur le maire. Bon, bah, écoutez, je remercie l'ensemble du conseil municipal d'être sur ce projet-là et souhaitons que ça puisse repartir rapidement. Et je m'en tiendrai là. Merci de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite, monsieur Cabrera. Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, dans le budget 2021, voté le 29 mars 2021, il me semble qu'il ne soit pas prévu l'acquisition de nouvelles bornes, pièges à moustiques. Ces appareils sont-ils inefficaces ou obsolètes ? Il est vrai que nous ne sommes pas en période de campagne municipale. Seule cette période est propice à l'acquisition de ces appareils et à se soucier du bien-être de la population. Nous avons constaté dernièrement que les 15 bornes installées juste avant le deuxième tour des élections municipales, au mois de juin 2020, ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Alors, monsieur le maire, vous qui déclarez être à l'écoute des préoccupations des administrés, y a-t-il un oubli de votre part ? En plus, il y a quelques jours, les Pradétans ont constaté l'installation d'un énorme pylône d'un opérateur téléphonique au stade de la Bâtie, côté terrain football. Vous qui avez donné l'autorisation de cette implantation, êtes-vous préoccupé de la santé des enfants qui pratiquent ce sport, ainsi que des riverains ? Avez-vous fait une étude des ondes émises par ces antennes ? Merci. Alors, il y a deux questions, en fait. Ce sont les moustiques et les antennes. Alors, oui, bah sur les moustiques, rapidement, il ne vous a pas échappé que les moustiques, on les voit surtout l'été, pas l'hiver. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'hiver, on coupe les bandes anti-moustiques. C'est pour ça que vous ne les avez pas vues en fonctionnement. Elles sont en service ou elles vont mettre en remise en service. Elles sont remises en service aujourd'hui. Donc, vous aurez le plaisir ce soir de ne plus avoir de moustiques autour de vous en fonction de l'endroit où vous allez vous trouver ce soir. Donc, on les a remises simplement avec les chaleurs. On a évité de les faire tourner à vide cet hiver. Tout à fait. On met 5 bornes en plus, vous voyez, comme quoi on ne travaille pas que pendant la campagne, on travaille entre deux campagnes aussi, pour préparer la prochaine campagne. Donc ensuite, ce sont les antennes. Alors oui, vous savez qu'il y a une obligation, il y a plutôt un outil qui est mis à disposition des communes. C'est en fait la possibilité de demander aux opérateurs qui vont installer des antennes de faire des études d'ondes. Donc c'est ce qu'on fait systématiquement. Dès qu'il y a un opérateur qui dépose un permis pour installer une antenne, systématiquement, on lui demande son étude. Donc, c'est fait systématiquement. Toutes les communes ne le font pas, nous, on le fait. Après, je ne vous cache pas que c'est un rapport qui fait plusieurs dizaines de pages. C'est un petit peu compliqué à lire, mais enfin, si vous le souhaitez, ces études sont à votre disposition. J'aurais rappelé que sur les antennes, parce qu'il se trouve que je connais un petit peu ce domaine, en fait, les gens, ils ont peur des ondes. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de portable ici, dans cette salle ? Non. Tout le monde a un portable, donc tout le monde utilise de la data. Donc on n'aime pas avoir des antennes, mais on est quand même obligé d'en avoir parce qu'on se connecte tous en data. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus il y a d'antennes, moins le téléphone portable va émettre pour recevoir les ondes. Donc contrairement à ce qu'on pense, c'est que la puissance qui a été mise par le téléphone portable va être d'autant moins forte qu'il y aura beaucoup d'antennes autour de vous. C'est comme ça. Voilà, on déborde un peu de la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Pas d'autres questions ?
Bon, bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous donne rendez-vous. D'abord, je vous souhaite un bon été parce qu'on n'est pas loin de, on n'est pas loin de l'été maintenant. Je vous souhaite un très bon été. Nos terrasses sont ouvertes. Profitez-en. Tout le monde a envie de faire la fête. Tout le monde a envie de se retrouver. Profitez-en. Respectez les consignes sanitaires. Et rendez-vous au mois de septembre pour ceux que je n'aurai pas la chance de croiser cet été.